Allô, Baba? Aurélie avait donné la manette à Toto. Oui. Ouais. Hello la gang, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi aujourd'hui le 14. Non, le 15. On est sur le 15 ou on est le 14? Attendez là. Bon. On va aller checker, mais je me rappelle plus de la journée. Ben, je sais qu'on est lundi. Il est 7h25. On est le 14. Bon. On est le 14 novembre. Puis, il est 7h26 le matin. Je suis en congé aujourd'hui, demain. Puis, après ça, je travaille le reste de la semaine. Aurélie vient de quitter pour la garderie avec mon chum. Puis là, j'ai deux petits messages à vous passer. Oui, ce matin, aujourd'hui, elle va à la garderie. Même si moi, j'étais à la maison. Parce que je vais en profiter pour avancer le reste du ménage qu'on a... L'autre partie de ménage qu'on avait commencé hier. Et puis, je veux cuisiner des trucs pour la semaine aussi. Fait que voilà. Puis... c'est pour ça qu'on va quand même à la garderie. Et numéro 2, là, maintenant, comme elle a ses mitaines dans son manteau, fait qu'elle avait ses mitaines ce matin, sa tuque, son manteau d'hiver, ses bottes, puis son bas de saut, là, mon chum, il a fait chauffer l'auto, puis il a garé l'auto juste à côté de la porte. Mais son saut d'hiver, il est dans son sac, pour la garderie. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on va le porter. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà. J'ai fait comme une pause de vidéo là, depuis quelques semaines. Je pense que le dernier vlog que j'ai mis de l'Halloween, genre. Fait que ça fait 2 semaines de ça. Parce que dans cette même semaine-là, Aurélie avait commencé un nouvel antibiotique le jeudi. Parce que son étude de douleur à gauche n'était pas partie avec l'autre. Fait que c'est vraiment ça qu'il y avait une étude avec dans les deux oreilles, dans le fond. Puis l'antibiotique plus fort qu'ils ont donné, elle n'était pas capable de le prendre, dans le sens que, comme 2 heures même pas après l'avoir pris, elle faisait juste le vomir. C'était pas partout une gastro qu'elle avait, c'était vraiment ça qui faisait en sorte qu'elle était malade. Fait que... ça, puis bon, les effets secondaires de ces choses-là donnaient un petit peu la diarrhée. Fait que, mettons qu'elle ne voulait pas de top-notch. Fait que voilà, là, elle est pas mal mieux. Son antibiotique, elle ne prend plus. On avait été consulter à l'hôpital justement pour ça, parce que ça n'avait pas de sens, là. Elle avait plus rien dans le corps, là. Elle avait de la misère à manger. Mais au moins, elle buvait bien. Fait que quand même, tu sais, à ce niveau-là, au moins, elle était hydratée quand même, mais là, c'est ça, elle a retrouvé pas mal son appétit, là, depuis mardi, la semaine passée. Mardi? Ouais, mardi. Fait que, ce qui est vraiment super, mardi passé, elle a eu ses vaccins de 12 mois aussi. Là, elle a comme un petit rhume, là. Mais, voilà, fait qu'on fait de l'hygiène nasale là, plusieurs fois par jour, là. Avant, on faisait de l'hydrascence, puis le mouche bébé, puis la poire. Mais là, on fait la méthode, vraiment la méthode de Sainte-Justine, avec la seringue. Et tu positionnes ton enfant d'une certaine façon. Dans la rue du jour, tu shootes, ça coule. Après ça, tu fais l'autre bord. Fait que c'est comme, ça varie vraiment, puis ça en enlève énormément de sécrétion. Fait qu'on y fait comme le matin, puis le soir. Puis comme même le temps, le soir, on va y faire 2 fois.
une fois après qu'elle ait mangé, puis une fois juste avant le dodo. Puis voilà. Fait que c'est pour ça comme que j'étais plus absente là, côté réseau. Je sais que je publie pas tellement souvent sur Instagram aussi. Tu sais, je publie pas autant de stories qu'avant, des choses comme ça. Je vais m'y remettre justement. Je vais terminer la planification du Vlogmas ce matin. Ça commence, là, pas dans à peine 2 semaines. Et je vais passer à des vidéos autres que je vais faire, des choses que je vais tourner cette semaine, puis un petit peu la semaine prochaine, pour commencer ça du bon pied, puis avoir toujours du contenu à vous offrir une fois par jour. Et peut-être faire une capsule, genre des petites stories où que je parle, mettons, sur Instagram, mais tu sais, ça, c'est pas vraiment planifié, là. Si, mettons, qu'il y a une journée que c'est pas un vlog, que je mets en ligne, c'est comme une vidéo, parce que, mettons, la veille, j'ai pas eu full de contenu à vlogger, ben, je vais faire un résumé, mettons, de ma journée de la veille sur Instagram, mettons. Un truc comme ça, là. Fait que, voilà, je suis en train de penser à ce que j'aimerais vous offrir hein, comme concours de Noël. Et, voilà. Faut que je fasse la liste de cadeaux aussi que je vais offrir à mes proches. La liste, peut-être que je vais la faire demain aussi, là, c'est à voir. Mais sinon, voilà, là, il me reste une petite partie de ménage à faire. Mon chum en a fait beaucoup, beaucoup avec moi hier. Là, je vais en refaire aujourd'hui. Je vais laver les lits, le lit à Aurélie, le nôtre, comme les couvertes et tout ça, là. Puis, il y a une brassée qu'il faut que j'aille partir dans la laveuse. Puis, je vais me faire un bon café aussi ce matin. C'est pas tellement chaud, je vous dirais. Là. Il fait pas chaud dehors. Fait que là, j'ai monté un petit peu le chauffage à la maison parce que il faisait pas tellement chaud. Fait que voilà la gang. Là-dessus, on se reparle plus tard. Je suis en train d'écouter un bon. Vlog de Mille. Là, je n'ai pas de drap sur mon lit. Mais il est chaud au bout, c'est parce que je vais aller le mettre dans la veuse. Mais je fais que vous. Focus sur ma tasse. Check ma belle tasse à Noël. 6 piastres au tic. Il y a un modèle comme ça. Puis un modèle, genre, que c'était comme un bonhomme de neige. Là. Il y a même une cuillère qu'il y avait. Que la cuillère est dans la cuisine. Mais je vous montrerai la cuillère dans pas long. J'allais même rembrasser dans la sécheuse. Puis après ça, c'est parti pour la journée. C'est ça, je vous dis. La cuillère qui vient avec la tasse, là. Elle est vraiment cute! Là, je me prête à faire une recette de mon livre Cuisine futée, famille futée 3. Ça passe 58. Puis c'est cette recette-là ici que je me prête à faire des galettes à saucisse pour faire des œufs même muffins, des choses comme ça. Ça va être full bon. C'est pour ça que je vais faire le batch. Fait que j'ai. Approximatif 2 livres de bœuf de porc haché qui vient toujours de terminer de dégeler. Fait que je me prête à faire ça maintenant. Let's go! Voilà, j'en ai fait une batch, il y en a 10 dedans. Je les ai faites plus grosses que d'habitude, plus larges en fait, parce que genre souvent ils rapetissent à la cuisson. Là, ça doit être juste vraiment parfait là, pour mettre dans les muffins anglais. Je viens de plus me brasser en écoutant un vlogmas de mille. Puis là, ben c'est ça, je m'apprête à transférer une brassée dans la sécheuse, genre les couvertes et tout. Je vais juste. Il reste ça, les porteurs comme linge. Mettre ça là 2 secondes. Puis là, je cherche éperdument mon petit que je cherche à peu près tous les vlogs. Fait que c'est pour ça que je vous ai pas tellement filmé pendant que je cuisinais. Là, je vais me mettre des
cuisses, pas des cuisses carlingues. Pourquoi j'arrête pas ça? J'arrête pas d'appeler ça des cuisses carlingues. C'est des poitrines de poulet, mais genre avec le dos, les os et tout ça. Je vais les sortir, je vais les mettre au frigidaire. Puis même, ils sont pas totalement dégelés pour asseoir, comme c'est moins grave, là. Je vais les faire cuire pas mal, comme dans l'après-midi. Parce que j'aime ça les faire cuire quand même longtemps au four. Puis, je veux genre juste pas que... Comment laisser ce chemin, là? Je vais laver le manteau de automne, printemps à Aurélie, parce que... Il va être lavé pour le printemps. Bref. C'est le soir, on a commencé à mettre son manteau d'hiver. Chaud du coca calme. Ouais, parce que je vais faire comme des hot chicken pour souper. Dans le fond, fait que c'est pour ça. Puis, quand je procure comme ça, soit ça ou des poulets entiers. Je garde comme les... afin d'un coup que j'ai tout comme trié mon poulet, genre le désossé en fait, là. Je garde les os. Puis, je fais bouillir la carcasse. Ça, ça, je congèle la carcasse pour la prochaine fois que je vais faire du bouillon de poulet. Puis, je fais du bouillon de poulet avec ça. Puis, je mets tout le temps un fond d'eau. Je mets, c'est pas comme ça, le poivre. Ça m'a aussi, là, pour que j'en recommande, là, c'est le de rôtisserie de Épicure que je mets sur la peau. Puis, de l'oignon, dans le fond, là. L'oignon, j'en mets un petit peu dans mon eau. Puis, j'en mets dans le... Dans le pétou du poulet, si je peux dire ça là. Puis je mets ça dans ce papier d'aluminium, ben dans ce pyrex, puis je mets ce papier d'aluminium par-dessus, puis j'envoie ça au four. Fait que c'est ça. Aurélie aussi va manger ça pour souper, dans le fond, mais c'est rendu comme qu'elle mange comme nous, là. Fait que, elle, je comme si elle m'a coupé son poulet. Puis, les petits pois, on va pouvoir les manger comme ça. Voilà, puis je vais mettre un petit peu de sauce, puis ça va être ça. Même moi, je pense que manger du poulet avec de la sauce puis de choses, je sais pas si je vais manger mon chicken avec du poulet. Bref, je vais voir ça. Puis ça va être comme super bon comme du poulet. Puis, voilà. Fait que là, je vais laisser mes galettes refroidir. Par la suite, je vais mettre dans les stocks. Je vais mettre mes stocks au congélateur. Fait qu'après ça, on va juste aller faire chauffer au four. Qu'on en sort comme la quantité qu'on a besoin. Fait que c'est super. Puis, je vais penser à ce que je vais manger pour dîner tantôt. Je vais peut-être. Attendez, faut que je me bouche. Je vais penser à ce que je vais me faire tourner. Je vais peut-être me faire un peu kebab. J'ai de l'avocat, j'ai du cocombe, j'ai de la mangue. Bref, j'ai pas mal de choses pour me faire un peu kebab. Fait que je pense vraiment que ça risque d'être mon dîner. Ou sinon, peut-être une petite salade ou la petite soupe. Je vais voir ce que je vais avoir envie de manger tantôt. Puis, by the way, l'intro pour le vlog mass est faite. Elle est vraiment belle. Là, j'hésite si je vous la montre là ou si j'attends vraiment au Vlogmas, mais je pense que j'ai vraiment le goût de vous la montrer. Fait que je vais juste aller chercher mon dossier. Puis, je pense qu'il faut que j'aille mes images. Puis je l'ai mis dedans. Bandana Vlogmas 2022. Oh yeah, c'est là. Fait que vous me direz ce que vous en pensez. Je vais juste mon soin de semer. J'espère bien que je suis en train d'écouter un vlog, tu sais. Mon écran d'ordi, il faut vraiment que j'en lave. Il est dégueulasse.
petite madame qui est poignée dans le kit. Et voilà, elle dure 1 minute 34. J'espère vraiment que vous allez l'aimer. En tout cas, moi, je l'aime full. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, tout ce qui manque dedans, c'est mes deux chats, par exemple. Mais je vais comme peut-être faire comme un... Tu sais, je vais vous les montrer quand même à tous les jours, mes miniatures. Fait que voilà, mais c'est quelques petits clips de notre année. Dans le fond, depuis le début de l'année, je vous dirais, là, fait que... Fait que beaucoup de moments avec Mademoiselle Aurélie. Et bon, on a comme. Il y a quelques petits clips là où il y a les ballons, puis genre le buffet. C'est quand on l'a fêté, pas samedi cette semaine, l'autre. Ben, samedi qu'on vient de passer, mais genre l'autre d'avant. Son costume d'Halloween, je trouvais ça important de le mettre. Quand on était voir des games de hockey. Le clip qui est là, c'est quand on était voir la game des Cats, mais quand je jouais contre les Remparts à Québec. Hein, Toto? Fait que là, ça va être un coup de balayeuse, coup de mop. Ça va faire super du bien. Puis dès que les couvertures sortent de la sécheuse, ben, je vais aller mettre les draps. Puis là, ça va être vraiment les doudous là, que je vais. Nos doudous à mon chum et moi que je vais laver. Celle à Aurélie, je l'ai lavée hier. Fait que c'est pas une doudou épaisse qu'on y met là, dans son lit, vraiment pas. Justement, parce qu'on veut comme pas qu'elle. Elle est super bien capable de bouger dans son lit, là. Écoutez. Elle m'entend, t'es pas partout dans, quand elle se réveille, t'es pas partout dans la même poussière que quand on l'a couché hier soir, mettons. Mais si on ne met pas de couverte épaisse dans son lit, justement, pour pas qu'elle s'enroule la couverte et qu'elle s'étouffe avec, là. Fait que voilà. Hein, Toto? Est-ce que tu pousses mon ordi, par exemple, bébé? Hein? Wow. Là, je vais arrêter de parler un petit peu. Je vais aller faire mon ménage parce que ça fait quasiment 10 minutes que je parle. Puis ça, c'est à compter tous les autres clips que j'ai fait depuis le matin. Fait que, on se rejoint ça là tout de suite, gang. Je sais pas si vous allez voir comme vous. Ah, Jésus. Mais, il y a les autres trucs à fond, mais. Mimi, tu t'es caché là parce que t'avais peur de la balayeuse, bébé. Mais les chats, ils ont une peur de la balayeuse, là. Puis pourtant, tu sais, ils n'ont jamais été traumatisés par ça. Hein, bébé? À dire que d'ailleurs, on est le 24. On est le 14, excusez, dans 10 jours, le 24. Ça va faire 3 ans que je les ai. Ils ont eu 3 ans, mon octobre. Mais c'est ça. Ça veut dire qu'ils ont fait 3 ans que je les ai. Hé, hey, neige, la gang, là. J'ai même pas besoin de zoomer, là. Puis vous voyez les grains de neige partout! Il va falloir que je sorte mes bottes. Puis mon manteau d'hiver. Puis le collage. Ouais. C'est complètement fou. Là, la balayeuse est passée dans le salon, la cuisine, la salle de bain. Nous avons notre chambre, on a passé un coup de balai, fait que je vais passer un coup de mop tantôt. Puis j'aimerais ça passer un coup de balayeuse dans la chambre à Aurélie. Je vais, là, mes galettes de saucisse sont refroidies, fait que je vais pouvoir tout de suite les mettre dans le display pour me les faire congeler. Puis j'ai mon poulet qui dégèle. Fait
qu'à date, ça sonne bon train. Je pense que je vais aussi allumer une chandelle qui sent que encore plus de fraîche odeur dans la casa. Là, c'est ça. Je suis en train de préchauffer mon four. Je suis prête à mettre mon poulet. Finalement, j'ai mis un petit peu d'épices buffalo. Je suis en train de préchauffer mon four. Je suis prête à mettre mon poulet. J'ai mis des oignons. Finalement, j'ai mis un petit peu d'épices buffalo. Je vais venir mettre un fond d'eau. Je vais en acheter encore un petit peu des oignons. Sont comme un corps. Je vais venir mettre un fond d'eau. Je vais en rajouter encore un petit peu. Mais c'est pas grave. Là. Sont comme un corps. Je vais prendre plus de temps à cuire. Je les mettrai, je vous dirai, comme un 95%. C'est pas grave. Je prends plus de temps à cuire. Finalement, je mange du pâté chez moi pour ça. Ça va être super bon. Tantôt. Ça a l'air d'une giblette, mon affaire. J'ai tout mélangé. Mais j'ai mis un petit peu de boursin dedans. C'est vraiment bon. Pour vrai, vous essayerez ça. Là. Avec des petites rondelles de concombre. J'écoute un autre vlog de mine. Puis là, je vais pouvoir mettre les couvercles, les grosses couvercles dans la sécheuse. Après ça, j'ai plus de lavage à faire pour le reste de la journée. J'avais un bout de peau sec, ça lève, qui me gossait tout à l'heure. Puis, après ça, ben c'est ça. J'ai refait les. J'ai mis le drap sur notre lit, j'ai mis le drap de contour, plus le petit drap dans la bassinette à Aurélie. Je suis en train de texter mon chum un peu, il est sur son heure de dîner. Après ça, cet après-midi, il m'aurait peut-être cuisiné quelque chose d'autre, mais je vais voir s'il y a des choses qui me manquent pour ce que je veux cuisiner. Je vais regarder ce que j'aimerais cuisiner aussi. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Je suis en train de songer à une vidéo que je vais faire d'Alvenma. C'est comme des recettes un peu plus classiques, là. Une recette qu'on fait dans ma famille depuis plusieurs années. Puis, mon Dieu, excusez, j'ai parti une vidéo. Puis, un autre, là, genre, recette comme que pas mal tout le monde mange dans le temps des fêtes, mais que peut-être qu'il y a des gens de d'autres pays qui me suivent, puis que ils savent pas. Ils ne savent pas c'est quoi ou ils n'ont jamais goûté des choses comme ça. Il devrait y avoir peut-être 3 recettes dans cette vidéo-là. Parce que je vais en faire une autre vidéo de recettes aussi, que c'est des vidéos TikTok. Que j'essaie de reproduire dans le fond là, des recettes de vidéos TikTok, genre dans ce style-là. Plus une vidéo, c'est que je goûte à tes trucs sur des fêtes. Bon, je pensais que mon concombre allait passer tout droit. Que je vais essayer de faire avec mon chum. J'aimerais ça. Ça va dépendre s'il vaut pas. Mais que là-dessus, la gang, je vais dîner. Non. Je suis dans le...